Alors, bonjour à tous. Donc oui, Arnaud Galland, donc je suis un des cardiologues du CHU Henri Mondor à Créteil. Et donc, je vais vous parler de cette étude qui est sortie tout récemment dans l'European Heart Journal Cardiovascular Imaging, qui s'est intéressée au rôle de la scintigraphie qu'elle pourrait avoir dans le suivi de nos patients qui sont traités par Tafamidis dans le cadre d'une amylose ATTR et essentiellement sénile dans ce papier. Bon, bien sûr, vous le savez tous, la scintigraphie osseuse avec enfin, les traceurs osseux, c'est bien sûr le gold standard en imagerie non invasive, vraiment pour diagnostiquer l'amylose transthyrétine. Ça permet de s'affranchir de la biopsie dans un grand nombre de cas, hein. Plus de 70% des patients n'ont pas besoin de biopsie grâce à ça. Et le tafamidis, vous le savez aussi, améliore le devenir de nos patients avec une diminution de la mortalité et des réhospitalisations cardiovasculaires notamment. Et ça a été montré bien sûr aussi que le tafamidis a des effets sur les biomarqueurs, notamment les BNP, et améliore aussi la fonction du ventricule gauche. Alors, le but de cette étude, c'est d'investiguer finalement la relation entre la réponse clinique du patient, hein, notamment en imagerie, biomarqueurs, etc., et d'essayer de la corréler avec la fixation du radiotraceur. Donc ici, c'est des scintigraphies au DPD, et ils ont utilisé comme méthode de quantification du SPECT couplé au scanner. Je vais vous montrer ça juste après. Donc l'intérêt, bien sûr, c'est de pouvoir utiliser de nouveaux biomarqueurs, hein, et notamment utiliser la médecine nucléaire pour pouvoir quantifier de façon vraiment efficace, fiable, et de pouvoir monitorer nos patients sous traitement tafamidis et d'essayer de comprendre comment ils évoluent. Alors, pour ce faire, ils ont inclus dans cette étude, alors initialement, ils ont 45 patients qui sont naïfs de tout traitement spécifique de l'amylose transthyrétine, qui ont bien sûr à baseline une scintigraphie avec donc du DPD et du SPECT-CT. Ils ont malheureusement perdu quelques patients. Alors bon, il y en a un qui est mort, il y en a trois qui ne pouvaient pas avoir une deuxième scintigraphie, et il y en a un qui avait une amylose à transthyrétine héréditaire, et ils se sont intéressés finalement qu'aux amyloses séniles dans cette étude. Donc ils se retrouvent, après, donc, bien sûr, les patients sont mis sous traitement de tafamidis, 61 mg, la dose classique, et ils sont suivis. Donc le suivi médian dans l'étude, c'est 9 mois. Et au bout de 9 mois de traitement par tafamidis, ils ont une deuxième scintigraphie avec pareil, un DPD qui est fait avec du SPECT couplé au scanner. Et ensuite, ils ont regardé comment évoluait la fixation au niveau cardiaque, et ils sont basés sur comme critère principal sur l'index de rétention du SUV. Je vais vous montrer ça juste après, comment c'est calculé. Donc là, voilà le protocole, hein, qu'ils ont utilisé. Donc c'est des scintigraphies temps tardif. Ils ont fait un corps entier à 2 h 30, et ensuite ils ont fait donc le SPECT-CT à 3 h. Vous voyez ici donc les volumes qui sont faits. On fait des volumes d'intérêt donc sur donc, à gauche le cœur bien sûr. Au milieu ils ont fait au niveau vertébral, donc au niveau de l'os, et à droite ils ont fait le muscle avec les muscles paravertébraux. Ils ont fait une double lecture avec bien sûr des observateurs expérimentés qui étaient en aveugle des données cliniques des patients. Et ils ont donc mesuré les SUV pics au niveau du cœur, de l'os et des muscles. Et ils ont calculé le rétention index, enfin l'index de rétention du SUV, qui est le pic au niveau du cœur sur celui de l'os sera multiplié par le muscle. Ça, c'est un indice qui avait déjà été rapporté dans la littérature comme étant assez robuste, hein, reproductible et assez précis, hein, pour quantifier la fixation au niveau du muscle cardiaque dans l'amylose. Donc, alors, quand ils ont calculé ça, déjà, ce qu'ils ont pu observer, ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez en bas à droite sur cette figure-là, la grande, grande majorité de la cohorte va avoir une diminution de cet index de rétention du SUV. Vous voyez ici le 0, hein, et la grande, grande majorité de la cohorte va avoir une vraiment diminution importante de cette fixation au niveau du cœur. Ils ont ensuite coupé la cohorte en deux en fonction de la médiane, hein, et donc la médiane est quand même moins 32, pardon, 3%, donc une belle diminution de la rétention. Donc ceux qui ont, on va dire, une réponse très forte pour la cohorte A, et ceux qui ont une réponse, en tout cas sur le plan scintigraphique, moins importante dans la cohorte B. Après, moins importante, mais finalement quand même une petite diminution, comme vous voyez. Sur les caractéristiques cliniques des patients entre la cohorte A et la cohorte B, c'est des patients relativement standards pour des patients atteints d'amylose transthyrétine sénile, et il n'y a aucune différence entre la cohorte A et la cohorte B, en tout cas au départ.
Donc, c'est des patients, voilà, 79 ans, grande majorité d'hommes, plus de 2000 de NT pro-BNP, la moitié de score 2 de Perugini au temps tardif, l'autre moitié de score 3, un index de rétention du SUV qui est à 4,96. Bon, une hypertrophie pariétale est importante, 19 mm de septum, un peu moins de 50% de fraction d'éjection et environ 13 de strain, moins 13 de strain. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré, mais ça, plus tard, c'est un pourcentage, là, c'est en valeur absolue, hein. Donc la cohorte A va diminuer son index de rétention de moins 2,92 et la cohorte B de moins 0,48. Donc même la cohorte B, finalement, diminue, bien sûr, ce ratio, et ça sort de façon significative. Bon, ça, c'est logique, vu que c'est comme ça qu'ils ont coupé les groupes. De façon visuelle, voilà à quoi ça ressemble. Donc un patient en haut, en corps entier, ça, vous avez l'habitude de voir, donc une fixation assez forte au niveau de l'aire cardiaque, plutôt grade 3, et vous voyez qu'avec le temps, à quelques mois de recul, on voit une diminution sur le corps entier, plutôt grade 2, et on le voit aussi très très bien quand on fait le SPECT et puis la rétention du traceur. Mais qu'il y a d'ailleurs quasiment plus de fixation au niveau de la paroi latérale et un peu moins sur le ventricule droit aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont corrélé ça donc aux paramètres biologiques et aux paramètres d'échocardiographie, et ils ont pu voir sur le delta du NT pro-BNP. Vous voyez ici le delta dans la cohorte A, donc entre la baseline et le suivi. Le BNP, il diminue de moins 849 dans la cohorte A et il augmente de 66 dans la cohorte B, ce qui est statistiquement significatif. Il y a des paramètres aussi assez rassurants en échographie sur notamment les volumes de l'oreillette gauche. Il y a une diminution dans la cohorte A de moins 6,7, une augmentation de 1,5 dans la cohorte B en millilitres par mètre carré. Ça marche aussi pour le strain, hein, ici en haut à droite, le strain ventriculaire gauche. Donc dans la cohorte A, il y a une dégradation du strain, une amélioration pardon, du strain dans la cohorte A de 0,42 et une dégradation du strain de moins 1,9 dans la cohorte B. La fraction d'éjection, alors ça ne sort pas sur l'échocardiographie. En fait, ils ont une sous-cohorte, hein, donc il y avait 40 patients dans cette étude. Ils ont fait une petite sous-cohorte sur des patients chez qui ils ont pu faire des IRM du cœur. Ça représente 25 patients hein, dans ces études, et la fraction d'éjection en IRM, en tout cas, ça sort comme étant associée, enfin corrélée à cette moindre fixation en scintigraphie. Donc, amélioration de la FEVG de plus 5,7 dans la cohorte A, diminution de moins 2,5 dans la cohorte B. Ils ont quelques paramètres intéressants aussi sur le ventricule droit. Alors, je ne les ai pas mis là, mais il y a quelques paramètres qui sortent sur le ventricule droit, notamment en IRM. Voilà, donc c'est une étude que j'ai trouvée intéressante, mais bon, bien sûr, un petit échantillon, hein, ils n'ont que 40 patients, c'est qu'un seul centre, il n'y a aucune donnée sur le suivi des patients et sur le fait, bah, la réhospitalisation, la mortalité, etc. Après, sur 40 patients avec un suivi aussi court, c'est compliqué, bien entendu. Après, donc, c'est quand même assez intéressant de voir que le tafamidis, déjà, il diminue la rétention du traceur au niveau du cœur. Et donc on peut le mesurer avec cet index-là, ou voilà, l'index de rétention du SUV, et qu'en tout cas, cette rétention, cette diminution de la fixation cardiaque, elle est associée à des bénéfices cliniques pour les patients, notamment sur les biomarqueurs, le BNP, et sur les paramètres du ventricule gauche. Alors ça pourrait être intéressant de répéter les scintigraphies, hein, avec bien sûr les mêmes protocoles, les mêmes traceurs, avec un protocole fiable et robuste pour quantifier et monitorer nos patients sous traitement par tafamidis afin d'avoir vraiment une médecine personnalisée, quoi. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup Arnaud. Il y a une question dans le chat. Comment est-ce que le tafamidis peut diminuer la fixation cardiaque et donc probablement les dépôts d'amylose? Bah, déjà, il y a un vrai problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on mesure. C'est que, bah, vous le savez, je pense, en scintigraphie, on ne sait pas vraiment pourquoi la fixation va avoir lieu entre les biphosphonates marqués et les dépôts amyloïdes. Alors bon, il y a des petites hypothèses sur les calcifications au niveau du cœur, etc. Mais donc on ne sait pas vraiment si on mesure de façon fiable l'infiltration amyloïde. Alors il y a quelques études qui ont corrélé quand même, bien sûr, la fixation au dépôt amyloïde avec des résultats plus ou moins bons et qui ont corrélé ça quand même aux paramètres aussi qui mesurent directement les dépôts amyloïdes comme en IRM. Donc c'est toujours, à partir du moment où on ne sait pas vraiment ce qu'on mesure, c'est difficile de pouvoir répondre à cette question. On ne sait pas vraiment pourquoi le tafamidis diminue. En tout cas, c'est certain que ça diminue la fixation. Il y a maintenant plusieurs travaux qui disent la même chose.
Nous, on avait d'ailleurs publié une cohorte sur les scintigraphies HMDP où on avait pareil une diminution claire du traceur avec quelques, enfin pareil, des bonnes corrélations avec les biomarqueurs et les paramètres d'imagerie. Voilà, après, on n'a pas la réponse à cette question, je pense, malheureusement. Alors moi, j'ai une autre question. Je trouve que c'est une très belle étude mécanistique. Il y a des données qui sont cohérentes sur tous les critères, un peu comme votre étude. J'ai été un peu déçu qu'il n'y ait pas de différence entre les sous-groupes. J'aurais bien aimé voir des critères prédictifs de la meilleure réponse au TAFAMI 10. Dans ton étude, enfin dans votre étude, il n'y en avait pas non plus. On avait effectivement essayé de faire des analyses pour essayer de voir les déterminants de la diminution de fixation, pour essayer de voir a priori ce qui pouvait prédire les choses, et on n'avait pas tellement, on n'avait rien trouvé, non, qui sortait de façon significative. Non. Il y a une autre question. Est-ce qu'il faut utiliser la scintigraphie pour suivre les patients, ton avis, ou bien est-ce que finalement le peptide natriurétique, l'écho, le strain ne sont pas les outils de routine les plus adaptés pour suivre ces patients? Il faut être réaliste, les outils les plus simples en pratique, c'est bien entendu la prise de sang avec le BNP, bien sûr la clinique, et ça c'est le CG et la clinique, ça c'est vraiment les trucs simples. Après, si on arrive à avoir des biomarqueurs qui nous affinent les choses, notamment en imagerie, en IRM ou en scintigraphie, le vrai problème de l'IRM, bien entendu, c'est la présence des pacemakers et l'accès à l'IRM qui est quand même compliqué un peu partout. La scintigraphie, qui a un accès quand même beaucoup plus simple et qui est un examen vraiment non invasif, voilà, ça paraît être quelque chose d'intéressant. Après, est-ce qu'il faut le faire en pratique clinique? Je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est un petit peu tôt. Après, je pense que ça mérite d'être exploré, ça mérite d'être confronté avec des cohortes qui sont plus importantes, avec un suivi qui est plus important, et de voir si est-ce que vraiment ça affine le pronostic de nos patients sur le long terme. Je peux pas avoir de réponse encore là-dessus, mais c'est possible, et ça peut probablement, voilà, nous aider à prendre les bonnes décisions dans le futur quand on aura un arsenal thérapeutique plus large, pour pouvoir se dire que ce patient, il faut peut-être intensifier son traitement, il faut peut-être le surveiller de façon plus rapprochée parce qu'il arrive de mal évoluer, enfin voilà. J'ai une autre question sur la gravité des patients par rapport à l'étude Princeps ATTRACT, par exemple. Comment tu juges la gravité moyenne de ces patients? Ils avaient 13 de strain, ils avaient 2000 de NT par BNP, c'était des primo-diagnostics vierges de traitement. Tout à fait. Alors bon, dans les primo-diagnostics, c'est toujours pareil. Il y en a qui traînent depuis des années. Et puis bon, en 2023, je pense qu'on fait les diagnostics peut-être un peu plus vite qu'il y a une dizaine d'années au moment de l'inclusion dans ATTRACT. Alors, dans ATTRACT, ils sont un petit peu plus graves que ça, je pense. Alors, je crois que le BNP est autour de 3000, non, il me semble, dans ATTRACT, hein, 3000 quelque chose. Je pense que les patients sont un peu moins graves dans cette étude que dans ATTRACT. Après, bon, ils ont vraiment une vraie insuffisance cardiaque manifeste, hein. Ils ont 19 de septum, 13 de strain, 2000 et quelques de BNP. C'est quand même des vraies insuffisances cardiaques, quoi. Peut-être la place pour une dernière question. Si tu devais suggérer un traceur dans l'amylose. Disons que le plus étudié, ça reste le DPD, il faut être réaliste. Nous, à Mondor, on ne fait que du HMDP. Il n'y a pas de papier qui ont corrélé vraiment les DPD et les HMDP de façon frontale et qui ont répété les examens chez le même patient. Nous, on avait fait une étude, mais il y a une dizaine de patients, c'est ridicule. On ne voyait aucune différence sur 10 patients, mais N égale 10, quoi. Il n'y a jamais d'études qui ont corrélé des centaines de patients qui ont eu le DPD et le HMDP en même temps et pour voir vraiment les vraies différences entre les traceurs. Je pense que les deux traceurs sont bons, je ne suis pas sûr que voilà, le plus étudié, ça reste quand même le DPD dans la littérature, et le plus validé, c'est du temps tardif en DPD. Après, bon, il y a d'autres choses qui existent et on peut faire bien avec d'autres traceurs et d'autres protocoles. Merci beaucoup. On va peut-être céder la parole. Merci beaucoup aux deux orateurs pour les belles présentations, des études très intéressantes qui suscitent beaucoup
de questions. Je pense que chaque question qui est posée, même s'il y a un étude négatif, ça nous fait avancer, comprendre mieux la maladie, le profil des patients. Et je pense qu'on apprend énormément à chaque fois qu'on se connecte et qu'on va à différentes études et on a ces discussions-là. Pour moi, en tout cas, c'est très didactique. Et j'espère que pour tous les gens qui se sont connectés, c'est pareil. Merci à vous tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Je voulais juste annoncer que de manière exceptionnelle, la prochaine biblio se fait la semaine prochaine, donc c'est le 6 juillet, jeudi 6 juillet. Et voilà, en ce qui me concerne, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui peut rajouter autre chose. Sinon, on vous dit à bientôt, donc pour la prochaine biblio, le 6 juillet.